Devinez ce que j'ai acheté ? Toutes mes affaires d'été. Il y a une tâche qui crie mon nom depuis beaucoup trop longtemps. J'ai deux sacs énormes et je me suis dit qu'on allait faire un petit haul ensemble. D'autant plus que je n'ai pas acheté que de l'alimentation. C'est la tenue dans laquelle William m'a demandé en mariage. Je lui ai fait découvrir ma nouvelle obsession, les amis. Vous devez absolument tester ça. Bienvenue les amis dans le premier vlog placé sous le signe de l'énergie du printemps, du renouveau, une nouvelle ère, un vent de fraîcheur. J'ai trop hâte de cette série de vlogs qui vont être beaucoup plus colorés, j'imagine. J'adore les changements de saison et je voulais en profiter pour partager justement la transition que je fais à la fois dans ma maison et aussi dans mon état d'esprit avec vous pour être dans le flow du printemps, parce que je trouve que c'est pas du tout la même énergie que l'hiver, et pour être dans le flow on a besoin de faire des choses différentes aussi. Je me suis dit, quoi de mieux pour signifier le retour du printemps que de changer son dressing et d'enlever tout ce qui est relatif à l'hiver. Les fameux rangements dans lesquels il y a toutes mes affaires d'été. J'en ai deux comme ça. Et le second. Bien sûr, il y a des choses que je vais garder, mais des gros pulls comme ça, par exemple, ça c'est trop hiver en fait. Matcha. Bon, je pense pas que je vais faire tout un coup parce que ça prend un temps fou. Là, pour l'instant, j'ai fait juste ces deux penderies là. J'ai gardé quelques petits trucs, par exemple, je pourrais refaire une vidéo mode, ça fait un moment, mais j'ai des essentiels bonne qualité et que je range jamais parce que eh bien j'en ai besoin même en été, par exemple un petit pull en cachemire cos s'il fait un peu plus frais, et puis surtout je vais partir au Touquet aussi. Donc voilà, un petit pull comme ça, clair rose X Naked. Lui, je viens de l'acheter. Bah, j'avais filmé, il me semble, chez Massimo. J'ai acheté 2-3 nouveautés pour le printemps. Je vous mets un insert juste maintenant. Alors, j'ai trouvé ce petit débardeur vert bouteille en manchure américaine avec le liseré contrasté. Et j'adore porter ça l'été. Ça, en revanche, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que le vert était un peu trop sombre. Et surtout, la coupe était trop large. Enfin, voilà, ça ne m'allait pas très bien, donc je ne l'ai pas pris. Ça, en revanche, j'ai adoré. C'est tout à fait mon style. Ce petit cardigan torsadé, manches courtes, un peu oversize. Et ça, alors, c'est tout ce que j'aime. Petit t-shirt gris, tout fin. En fait, c'est un double t-shirt puisqu'ils sont cousus tous les deux. Et ça, franchement, j'adore. Donc voilà pour ces nouveautés. J'ai quand même gardé quelques petits cardigans parce que je vous dis, je vais au Touquet et que peut-être qu'il fera encore frais. Mais regardez tout ce que j'ai enlevé. Enfin, je veux dire, je pensais pas que tout ça tenait juste là. Ça, c'est ce que je vais donner parce qu'à chaque tri, je donne beaucoup. Je vends une petite partie, c'est ce que je vais faire sur mon Vinted, notamment des trucs que vous pouvez quand même porter encore à cette saison tout fin et qui peuvent être sympas sur un petit t-shirt. Abonnez-vous à mon compte Vinted, c'est Sleeping Beauty. Et je pense que je ferai une vente le mois prochain, en avril. Maintenant, le plus intéressant, on va découvrir ce qu'il y a dans ces caisses. Bon, là, c'est bloqué. Ça commence super bien. Là-dedans, c'est très, très été quand même. Oh, je pense que je vais pas ouvrir celui-ci parce que vous savez ce que c'est. Est-ce que je vais trouver mon bonheur là-dedans? Ouais, c'est déjà mieux quand même. Hyper fluide que je mets cette saison. 15 ans que je l'ai, j'ai l'impression, ce pantalon Naked. Oh là là, feu mon pantalon clair rose X Naked. Je peux pas m'en séparer, je l'adore. Je l'ai
tuer, c'est-à-dire que là, il est tout raflé. Si vous en avez un en taille 36, que vous l'aviez acheté à l'époque, Claire Rose X Naked, je crois que c'était l'été dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, je vous le rachète. Si vous voulez le vendre, je vous le rachète avec grand plaisir. Je le mettais hyper souvent, bien que ce soit un peu doré et tout. Moi, j'aimais bien. J'ai cherché sur Vinted, il n'y en a aucun, quoi. Donc, bon, écoutez, là, ouais, là, on arrive dans le printemps avec les petits pantalons comme ça. Tous mes pantalons de costume, même cette veste-là, je sais que vous allez me demander, c'est Naked. Naked, ils sont trop, trop forts dans les costumes, quoi. C'est la tenue dans laquelle William m'a demandé en mariage. On arrive à ma partie préférée, les petites tenues d'intérieur. Avec Maison Tuféry, j'aimerais trop faire des tenues d'intérieur, mais surtout des kimonos, parce que vous savez que j'ai une obsession pour les kimonos en soie. Je trouve ça trop chic. Mais alors, faire des fringues, c'est une autre paire de manches, c'est le cas de le dire. Surtout si tu veux faire comme je le fais pour Maison Tuféry, absolument tout français. Mais j'ai pas encore fait mes propres recherches, donc... à voir, mais c'est un truc que je garde dans le coin de ma tête quand même, parce que les kimonos en soi, j'adore. Là, je vous dis 36, mais même si vous l'avez en 38, par exemple, je prends quand même. Bref, bref, bref. Qui ne tente rien n'a rien. On se retrouve plus tard. Évidemment, le printemps, c'est aussi l'occasion de faire un grand tri dans tous ces produits de skincare et surtout de changer sa routine. Personnellement, je ne mets pas du tout les mêmes produits en hiver où j'ai des textures beaucoup plus enveloppantes, etc. Et en été, j'ai des trucs beaucoup plus légers, mais après, ça dépend vraiment de votre type de peau et il faut 100% adapter. Si vous n'avez toujours pas de routine skincare, il y a une marque que j'ai recommandé encore la semaine dernière à un ami garçon et à une fille. Typologie, si tu sais pas par quoi commencer, Typologie c'est des super bonnes compos. Ils sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui et je vais vous montrer mes 5 essentiels Typologie. On va commencer avec les crèmes hydratantes. Pour moi ça a été une révélation. Quand j'ai de l'acné, des périodes vraiment d'imperfection, soit en période de règles, de stress, de mauvaise alimentation, la crème hydratante visage au zinc. C'est une crème qui est pas seulement hydratante, c'est une crème qui est également purifiante, qui est concentrée à 4% de zinc PCA et également d'extrait de bambou. C'est une texture qui n'est pas du tout grasse, dont la composition est formidable. Ensuite, si vous avez une peau plutôt normale, on va dire, que vous n'avez pas de problème particulier, que vous souhaitez juste maintenir un bon taux d'hydratation, je vous recommande la crème visage à 9 ingrédients. C'est ce que je recommande également à William, qui, comme vous le voyez, l'utilise correctement. À chaque fois, il me demande « Tu peux me redonner la crème ? Tu peux me redonner la crème ?» Il a cru que j'étais une boutique. C'est un peu le cas. Donc à chaque fois, je lui redonne. C'est sa crème préférée. Voilà, moi j'ai une peau qui a plus tendance à avoir des imperfections, donc je me tourne davantage vers la zinc. C'est une crème qui est minimaliste, qui est sans parfum, à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Si vous avez la peau sensible par exemple, c'est exactement ce qu'il vous faut. Mon troisième produit préféré de chez Typologie, c'est l'hydrolat de menthe poivrée bio. En vrai, tous leurs hydrolats, je les adore. Je me lave rarement le visage à l'eau le matin. J'utilise plutôt de l'hydrolat sur un petit coton réutilisable et je le passe comme ça le matin, non seulement pour me rafraîchir et également pour éliminer toutes les petites impuretés qui sont déposées sur mon visage, tout l'excès de sébum, etc. pour préparer ma peau à recevoir les soins. Un sérum dont je ne peux pas me passer, la niacinamide. La niacinamide est concentrée à 12% dans ce sérum. C'est un de mes actifs préféré justement pour contrôler l'acné et les boutons. Je trouve que la niacinamide, ça lisse la peau. Parfois j'ai tendance à avoir, vous savez, des micro boutons, vraiment comme si tu avais des tout petits boutons sous la peau comme ça qui se voient pas à l'œil nu, mais tu as un rayon de soleil et tu vois qu'il y a de la texture sur la peau et que le front par exemple n'est pas tout lisse. La niacinamide, pour ça, c'est exceptionnel. Mon dernier produit Typologie préféré, ça peut vous surprendre, c'est un baume pour les mains que j'ai entamé actuellement, donc je vais pas en ouvrir un nouveau, à 10 ingrédients. Et en fait, c'est tellement compliqué de trouver une crème pour les mains qui ne colle pas et qui pourtant hydrate vraiment. Tu vois, moi j'ai tendance à avoir les mains sèches. Je suis un peu obsessionnelle du lavage de mains, genre vraiment je me lave énormément les mains dans la journée, ce qui est une bonne chose, hein. Mais je les essuie pas forcément très très bien et c'est pour ça qu'ensuite elles sont assez sèches. Franchement la texture, c'est une petite pépite ce baume. Je l'aurais pas acheté de moi-même, mais ils me l'ont envoyé et donc j'ai pu le tester et c'est là que je me suis dit mais en fait ce produit est génial, j'en ai testé 10 000 des crèmes pour les mains et lui il se démarque vraiment quoi. Évidemment j'ai une belle offre pour vous, Typologie à chaque fois vous offre des petits cadeaux si vous commandez. En cliquant sur l'un des liens qui est dans
dans la description. Vous pouvez bénéficier de mon offre exclusive. Un soin ciblé est offert des 45€ d'achat. C'est un soin ciblé imperfection qui contient de l'extrait de tea tree, vous savez, l'arbre à thé. Exceptionnel si vous avez un bouton, vraiment le gros bouton qui est arrivé, tu te dis non, c'est pas possible. Il y a aussi du bacuchiol dedans. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment tout, tout fin comme ça. Bah, je l'ai, hein. Il est évidemment dans mes placards. Donc là, c'en est un nouveau. Voici pour mes 5 produits préférés de chez Typologie. Je vous laisse les liens dans la barre de description. Je suis allée faire les courses, j'ai des trucs très sympas à vous montrer. Ce midi, j'ai envie de faire un déjeuner vraiment dans l'esprit printanier. Donc, je suis allée dans une épicerie plus influence thaïlandaise, ça s'appelle Bangrak Market, dans laquelle j'ai trouvé ces asperges absolument adorables. Non mais regardez, elles sont trop mignonnes. Rêve des petites asperges vertes comme ça. J'ai acheté également des petits piments oiseaux. Je vais battre les œufs, je vais ajouter ça avec un côté chili. En fait, ça va donner un côté hyper crémeux aux œufs brouillés. Et alors, chez Bangrak Market, j'ai également... Est-ce que vous vous rappelez de ça? L'année dernière, j'avais acheté des fleurs, ou alors cet hiver, je sais plus, des fleurs comestibles pour que la présentation des recettes de mon livre soit encore plus améliorée. Parce que vous imaginez des petites fleurs comme ça pour les photos, ça va être trop 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 beau, et comme la présentation ça me tient vraiment à cœur, je me suis dit que ça serait sympa. Et j'ai également acheté, on va faire un crash test, je sais pas où les gens vont trouver toutes ces idées, mais il y a beaucoup de nutritionnistes qui ont proposé une mousse au chocolat avec du tofu, et donc du tofu un peu soyeux, vous savez, littéralement dans des briques comme ça. Donc c'est exactement ce que j'ai acheté chez Bangrak Market. Chez Cerise et Potiron, j'ai trouvé les premières fraises de l'année. Ce sont des petites gariguettes, des petites fraises françaises. Elles ont un parfum exceptionnel. Je rentre de chez Ace Market. J'ai 2 sacs énormes et je me suis dit qu'on allait faire un petit haul ensemble. D'autant plus que je n'ai pas acheté que de l'alimentation. Ace Market, c'est une épicerie coréenne. Si vous habitez à Lyon, c'est situé rue de l'Arbre Sec. J'y suis allée pour ça, pour des galettes de riz afin de faire des rouleaux de printemps. Et je suis sortie avec 2 sacs énormes. Classique. Alors, j'ai également acheté des instant noodles, les plus spicy comme ça, parce que j'aime trop, une fois de temps en temps, de la sauce soja light. Je la préfère à la classique. Ah oui, ouf, alors ça c'est génial parce que c'est le mélange entre un ramen et des tteokbokki, qui sont des petits sticks de riz un peu gluant. J'ai acheté des petits vermicelles de haricot mango. Et alors là, évidemment que j'ai acheté de la vaisselle. Déjà parce que la vaisselle, c'est ma passion, et surtout parce que j'adore le style de petits bols qu'ils ont chez Ace Market. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher que ce que je trouve en ligne et que j'achète à des prix que je n'oserais jamais révéler. Là, c'était des petits bols à 15€. Une petite soupe, voilà. J'en ai pris 2 comme ça. Je vais vous montrer ce que ça rend de plus proche. Et j'en ai pris 2 grands comme ça. Oh, ils sont tellement beaux, et eux ils étaient à 18€. Sublime. Et chaque bol est unique, quoi, parce que je crois que c'est fait main, donc il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, tout en restant dans le même style, hein, bien sûr. Mais... et en plus ça va bien me servir parce que ça y est, j'ai commencé à shooter les recettes pour notre livre de recettes avec maman qui sortira pour Noël. Donc un petit peu avant, en vrai. Je pense que je vais tout faire pour qu'il sorte en décembre. C'est vraiment mon objectif. La toute première recette qu'on a shootée, c'est hyper symbolique parce que c'était pour mon anniversaire et c'était le moelleux au chocolat de maman. Et c'est une recette qui est formidable, c'est fabuleux, c'est un gâteau qui est dingue. Ravie que maman veuille bien partager sa recette
avec vous qu'on la mette dans le livre. Et moi, j'ai continué à shooter. J'ai shooté à la maison et j'adore ça. Vraiment, c'est... Oh, je prends tellement de plaisir. La photographie culinaire, c'est tout ce que j'aime parce qu'on doit soigner la présentation, faire quelque chose de très joli. Et je suis très sensible à la beauté. Et bien sûr, on mange froid. Hein. Ça, je dois vous l'avouer, quand tu fais un livre de recettes, tu manges froid parce que tu prends plein de photos. Mais ça lie trop de choses que j'aime en fait. La présentation, le côté faire joli, tout ce qui est photo et vidéo parce que je shoote toutes mes recettes. Et puis évidemment la cuisine, le fait de cuisiner, d'élaborer des plats parce qu'évidemment la majorité des recettes qu'il y aura dans notre livre, eh bien ce sera des recettes que je ne vous ai jamais encore partagées. Je m'éclate sur ce projet et je suis trop trop contente de faire ça. C'est un pur bonheur. Et de pouvoir le faire avec ma propre marque Maison Tuféry sans avoir de maison d'édition, c'est encore mieux franchement. En revanche évidemment, ça sera pas dispo à la Fnac, ça sera pas dispo à votre librairie, etc. Ça sera uniquement sur mon site maisontuféry.fr. Alors, continuons ce petit haul. Mais franchement, je suis trop fan des bols. Oh, magnifique. Ensuite, j'ai acheté de la sauce sésame avec les sésames grillés, de la poudre de piment parce que ça, on n'en trouve pas partout. Sésame blond et sésame noir grillé. Je me suis cru à Myeongdong, j'ai acheté un petit masque comme ça. Des champignons enoki, un bok choy, de la pâte de piment rouge. Alors on a la poudre et on a la pâte. Mon snack préféré, ça serait mentir de vous dire que j'en ai pris qu'un seul. Puisqu'évidemment, j'ai déjà mangé tout en paquet. Et enfin, j'ai pris un truc que j'adore. C'est des pickles de radis pour faire les gimbap et ça va apporter un petit côté un peu acidulé et tout, ça va être trop bon. Voilà pour mon petit haul épicerie coréenne slash japonaise aussi. Les amis, il y a une tâche qui crie mon nom depuis beaucoup trop longtemps et je fais la sourde oreille, c'est ranger ce placard. J'ai beaucoup de tupperware et de gros électroménagers, enfin non, petits électroménagers mais assez gros que je peux pas installer dans ma cuisine et que je laisse ici et que je sors quand j'en ai besoin. Donc par exemple mon air fryer, mon appareil pour faire les jus, mon appareil à raclette. Donc l'idée c'est de ranger tout ça. Pourquoi? Parce que en soi tu fermes la porte, hop, on voit plus rien, n'est-ce pas? Vraiment l'évitement, le déni. Mais la raison pour laquelle je dois ranger ce placard, en dehors du fait que bah, ça serait mieux si c'était mieux organisé, c'est parce que j'ai deux cartons comme ça. Et en fait, c'est de la vaisselle que mes frères et mes belles-sœurs m'ont offert pour mon anniversaire. De la vaisselle que j'adore. J'ai sorti déjà deux petits bols parce qu'on mange déjà dedans. Mais il y a également des assiettes et des petites assiettes à dessert. Et donc, j'ai plus du tout la place dans mon îlot pour ranger ça. C'est pourquoi je me disais que j'allais faire un petit peu de place dans ce placard et essayer de stocker de la vaisselle là aussi. Bon voilà, en gros... Voilà, je vous ai exposé les faits. Maintenant, faut passer à l'acte. Maintenant, faut ranger quoi. Donc là-haut, j'ai mis tous les gros petits électroménagers que j'utilise pas tout le temps non plus, à part le air fryer, j'utilise assez souvent, mais il est tellement gros que je peux pas le mettre sur dans ma cuisine. Ensuite, ici, il y a tous les tupperware, des plats, etc. J'ai bien rangé tous les bouchons et tout pour bien les retrouver. Et là, j'ai ajouté de la vaisselle. Et ici, on a l'alcool. Bon, ça a pas l'air trop comme ça en vrai, mais c'est quand même beaucoup mieux organisé. Devinez ce que j'ai acheté ? Vous allez me dire, je commence à devenir prévisible et vous auriez raison parce que on a vu le symbole. Il s'agit évidemment de vaisselle. Mais j'ai pas trouvé ça en France quoi. C'est tellement beau, c'était tellement cher aussi. Mais je me fais vraiment plaisir avec le livre de recettes. Je suis obsédée par la présentation en fait.
et par la vaisselle en général. La vaisselle, la déco, bien plus que les fringues. C'est une marque qui s'appelle Love & Cru. Je vois la taille, elle est parfaite. Parce qu'il y avait plusieurs tailles sur le site. Tellement, tellement beau. Trop, trop beau. Mais je vais faire ma salade du midi directement dedans, quoi. On voit que c'est fait à la main au Japon. Pour moi, c'est de l'art, en fait. C'est trop, trop beau. Et alors, j'ai pris le même en petit. Soit pour faire un petit dessert, soit pour mettre, je sais pas, moi, des petits trucs apéritifs ou des petits fruits ou une sauce même qui peut aller avec la salade. C'est trop beau. Oh, je suis tellement contente. Oh là là, c'est magnifique. Oh, je vais vous montrer. J'ai acheté un truc pour maman aussi. En fait, je l'avais acheté pour moi et je trouve ça tellement bien que je l'ai acheté pour elle aussi. C'est un cuiseur à eux. Et donc, le fait de devoir sortir une casserole, laver la casserole à chaque fois, ça, c'est tellement plus pratique et ça fonctionne trop, trop bien. Tu peux te faire des œufs durs, des œufs mollets et des œufs crémeux. T'as vraiment les trois que je fais le plus. Et c'est petit, quoi, donc compact à mettre dans la cuisine. Pour les gens qui font beaucoup d'œufs, maman aussi, donc c'est pour ça que je me suis dit, en plus, pour Pâques, trop drôle d'arriver avec un appareil pour faire des œufs, quoi. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais je m'en sers tout le temps depuis que je l'ai, quoi. Hello maman! J'ai fait découvrir ma nouvelle obsession les amis, vous devez absolument tester ça. Parce que quand je l'ai dit à maman, elle m'a dit oh bof, c'est vrai quand on te le dit, ça a pas l'air formidable. Mais quand tu le goûtes, ce sont des quartiers de pommes pour le dessert. Tu prends une pomme comme ça et tu la trempes dans le skyr. Mais pas du yaourt grec, pas du fromage blanc, vraiment le skyr, texture skyr. Et en fait, t'as tout simplement l'impression de manger un crumble aux pommes avec, comment on dit ? De la crème. Ouais, avec la crème fraîche par-dessus. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment... C'est vraiment trop bon. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est pas sexy, alors qu'en vrai, c'est... C'est extrêmement sexy.